just going home. I'm a late, late show. Don't want to meet me at home. Oh, I know. Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Ninon et on est le 26 janvier. Donc, gros bisous à Ninon, bon anniversaire. En plein, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vlog parce que je suis tombée gravement malade. Enfin, gravement malade, j'étais vraiment pas bien. Et là, aujourd'hui, enfin cette semaine, je fais un stage d'observation. Voilà, donc c'est cool, surtout que enfin, c'est sur mon temps libre, donc ça c'est un peu moins cool. Mon lycée propose pas ça, enfin bref. Donc je vais partir, je vous emmènerai peut-être un tout petit peu. Allô tout le monde! Alors oui, derrière mon mur est vide parce que normalement mon père va le repeindre aujourd'hui s'il a envie. Enfin, on va voir selon son humeur, mais j'ai un peu peur qu'il me fasse une petite blague, genre qu'il me repeigne en violet au lieu d'en blanc. Enfin bref. Ok, aujourd'hui on est mardi. Je suis désolée, j'ai pas trop vlogué hier soir, mais comme vous le savez, c'est tout le temps en fin de semaine que je vlog à Don. Donc cette semaine, pareil, encore soirée. La dernière fois, il y a une abonnée, m'a dit, tu profites bien de ta jeunesse en commentaire, un truc comme ça. J'étais en mode, oupsie. Mais en vrai, je vous montre surtout ça, mais je suis une grosse bosseuse et tout. Genre, je suis pas la meuf qui se défonce en soirée, des trucs comme ça. Voilà, voilà, juste pour préciser au cas où. Donc en fait, mon stage, je le fais dans une antenne, enfin, de télévision. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Et on fait le JT du midi et le JT du soir, donc c'est trop intéressant, vraiment, genre, je trouve ça trop drôle. Moi, je suis en mode derrière les commandes, là, enfin, je touche à rien, je suis comme ça. Déjà, je me fais toute petite, j'ai trop peur de gêner quelqu'un, bref, mais c'est grave cool. Merci d'être mis à me suivre, voilà, c'est trop cool. Vous savez, enfin, les youtubeurs disent tout le temps, ouais, pour vous, c'est pas beaucoup, pour moi, c'est beaucoup et tout. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tout le monde est passé par là, genre les 1000, c'est un peu le premier cap après les 100. Et vous savez, moi, ça fait super longtemps que je suis sur YouTube, que ce soit en tant que youtubeuse ou en tant que regardeuse de youtubeuse. Et je sais pas, il y a des gens, je les ai vus tellement grandir, genre style ennemi avant et commenter mes vidéos, s'il vous plaît, les gars. Et d'ailleurs, soit dit en passant, un jour, genre ma soeur, elle lui avait dit, ouais, t'avais commenté mes vidéos il y a hyper longtemps, et moi, j'en avais commenté une, genre au tout début de ta chaîne, elle fait, oui, je m'en souviens, genre. Donc voilà, je vais partir parce que je rends ma vie et je vais être en retard comme d'habitude. En plus, ma frange elle est trop bien. Donc... Coucou tout le monde, là je suis rentrée chez moi parce que j'ai un rendez-vous de médecin cet après-midi, donc j'ai pas cours cet après-midi et je voulais vous présenter mon petit déjeuner, donc je vais le poser par terre pour vous montrer ça. Bon, je vous l'ai pas vraiment dit officiellement sur ma chaîne, mais j'ai arrêté la viande. Je continue à manger des protéines, des œufs, voilà, même si j'en mange pas du tout tous les jours. Donc là il y a salade, fromage, petite sauce tomate, tomate et un œuf. Voilà, bon, j'aurai encore des commentaires qui disent que je mens sur mes repas, mais là c'est forcément la vérité. Quand je suis chez moi, je mange simple et assez équilibré. Donc voilà, c'est plutôt cool, j'aime bien. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mercredi et je vais partir donc à mon stage. Et les gars, il neige! Il neige! Aujourd'hui on est vendredi, attendez, je vais me détacher les cheveux. Bon alors, ça fait quelques jours que je me suis pas posée pour parler avec vous. Donc j'ai fini mon stage, franchement c'était super cool, j'ai pu voir un peu comment ça se passait dans le derrière de la télé pour les JT et tout.
Donc ça c'était sympa, mais c'est vrai que vu que c'était les vacances, c'était assez calme. Voilà, enfin il n'y avait pas grand chose à faire. Donc ils m'ont montré les gens avec qui je faisais le stage Photoshop et ils m'ont filé. Donc je vais pouvoir faire des tests et tout, ça va être grave cool parce que maintenant je l'ai pour mon ordi. Bon sinon ce soir j'ai une soirée et ah oui, je suis bête, je me suis mis là pour vous montrer. Mon père a enfin repeint mon mur blanc, donc je suis trop contente, c'est-à-dire que mon mur qui était avant rose est maintenant blanc. Donc comme ça, je vais pouvoir faire un peu une chambre Tumblr 2.0. Mais avant, il faut que je range ma chambre. Donc je vais vous laisser et puis je pense que, enfin, je vais vous filmer des petits moments de ma soirée et on se retrouve demain. Bye. Ouais, non, vas-y, je m'en fous, vas-y, dis-moi. Toi, je vais les mettre juste après. Ouais, il m'a dit c'est quoi. Ouais, on paye, en fait. Quel bâtard. Wow. Florette, ouais. De toute façon, le produit, t'inquiète pas. C'est ça. On a déjà. Attends, je suis déjà fait. Je peux. Il y arrive, c'est là. Quelques mètres. Coucou les gars, on est dimanche, je vous montre pas ma tête du dimanche parce que surtout au lendemain de soirée. Donc alors je vais vous montrer l'avancée de ma chambre. Là j'ai un peu décoré, on a changé la forme, en fait c'est une étagère qui peut changer de forme selon ton envie, donc ça c'est trop trop cool. Et ensuite j'ai mis mon bureau là, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, genre ça prend 5 minutes de changer et j'hésite parce qu'en même temps j'aime bien, mais en même temps je trouve que comme il est chargé, genre ça fait pas épuré, faudrait qu'il soit à moitié vide et moi j'arrive pas à garder un bureau vide. Donc je pense que je vais le remettre à sa place. Et attendez, je vous ai dit que c'était ma tête du dimanche, mais en plus c'est ma tête du samedi, donc j'ai aucune excuse pour être moche. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des têtes moches le week-end, enfin si vous aussi quand vous foutez rien, vous maquillez pas et tout, parce que moi c'est tellement mon cas, genre... Anyway, je vais bosser, donc j'ai une petite tasse. Je pense que c'est à ma soeur, elle a dû l'avoir son anniversaire. Yo les gars, je vous retrouve toujours avec ma mauvaise tête, mais je voulais vous montrer, ma grand-mère est passée et comme par hasard elle avait des coussins qu'elle venait d'acheter, une offre à Carrefour, je sais pas quoi. Donc elle m'a dit qu'elle me les donnait, donc trop contente. J'ai déjà un plaid un peu dans ce style là, c'est des coussins pilou pilou et je vous conseille vraiment, dans une chambre ça rajoute un peu de texture parce que vraiment les textures on n'a pas l'impression, mais genre c'est ultra important, enfin au-delà des couleurs, genre. Vous voyez par exemple là c'est du beige, tout comme mon mur. Enfin un peu plus beige, mais comme c'est pas la même texture, ça c'est cool. Pareil pour ça, donc ça c'est du cuir je crois, enfin du faux peut-être, je n'en ai aucune idée. Et genre j'avais fait un room tour il y a un an je crois de ma chambre et vous allez voir comment elle a changé rien que grâce à ça, alors que j'ai pas changé de chambre, j'ai pas changé de maison, j'ai à peu près toujours les mêmes objets donc... Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve, on est dimanche, je suis vraiment désolée parce que je vlog pas beaucoup. En fait, je passe ma journée à faire mes devoirs et je vais aller juste au sport ce soir. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Enfin, sinon, hier j'ai voulu aller imprimer des photos sauf que ça s'est révélé super cher. Et je sais pas si vous avez ça vous aussi, des bornes à Carrefour pour imprimer les photos, mais c'est super galère, je comprenais rien. T'avais une file d'attente derrière moi, je me suis dit... Oups, bon tant pis, donc je pense que je vais commander sur un site. Donc si vous avez des idées de sites ou commander des polaroïdes ou des petites photos, bah dites-moi. Sinon, ah oui, j'ai plus d'anti-cerne rien, donc pareil, si vous avez des correcteurs à moins de 10 balles à me conseiller, bah ça m'intéresse. Donc je sais pas trop quoi vous dire,
À part que, voilà, ma chambre, j'ai pas énormément avancé. Je sais pas trop, je crois que je vais garder une déco assez épurée pour l'instant, voilà. Et donc voilà, bah, je vais vous retrouver peut-être un peu plus tard dans la journée si je fais des trucs intéressants. Bon les gars, je vous retrouve, il est 22h30, je viens de finir ma séance de sport. Donc voilà, je suis mis une vidéo en ligne, mais pour l'instant, genre, j'ai pas eu beaucoup de réactions dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous l'avez pas encore vue. Sinon je vais vous laisser, je vais aller dormir. J'espère que ce weekly vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour un nouveau weekly vlog et de nouvelles vidéos. Bye les mifs.